Avec 52% de la population togolaise, les femmes constituent un maillon important dans le processus de développement. Mais elles sont souvent victimes de pesanteurs sociologiques qui constituent un frein à leur éducation, à la jouissance de leurs droits, à leur autonomisation, bref, à leur participation active au développement du pays. Fort de ce constat, le gouvernement depuis quelques années consent d'énormes efforts pour améliorer la situation de la femme. Et malgré ces efforts, beaucoup reste encore à faire, d'où ce Forum national de la femme togolaise sur le thème « Femmes togolaises et développement, réalité, enjeux et perspectives ». Les objectifs de la présente rencontre se dégagent du thème lui-même. Le Forum aura ainsi à revisiter la problématique de la participation de la femme au développement, à actualiser les stratégies afin de les adapter aux préoccupations de l'heure, rendues plus pressantes par le contexte de crise économique et financière qui n'est pas sans effet sur les capacités des femmes à faire face aux exigences contemporaines. Pour ce faire, le thème du forum sera décliné en sous-thèmes chacun par plusieurs panélistes. Femmes togolaises et pouvoir économique. Quelles sont les opportunités offertes à elles en termes d'accès au crédit et de garantie de financement? Participation de la femme à la vie publique, privée et politique. Où en est le Togo et quelles sont les bonnes pratiques dont nous pouvons nous inspirer? La protection juridique et sociale de la femme togolaise. Quelles solutions en termes d'application effective des textes, de réformes ou de mesures permettant une protection sociale plus accrue de la femme et de l'enfant? Pour débattre sur cette problématique pendant les trois jours que dure ce forum, des centaines de délégués de femmes sont arrivés de toutes les préfectures du Togo. C'est le Premier ministre qui a représenté le Président de la République à l'ouverture de ce forum. Gilbert Fossoumbo s'est félicité de cette rencontre qui, à coup sûr, contribuera à des conclusions fructueuses en faveur de l'implication de la femme togolaise dans le développement. Par ce thème, vous avez en effet fait le choix d'une approche globale des questions relatives à la place de la femme dans notre société togolaise. Ce thème vous amènera à vous pencher certainement sur les questions récurrentes des réalités du vécu quotidien difficile des femmes dans nos sociétés, de la nécessité d'harmoniser nos pratiques, nos us et coutumes avec les obligations souscrites par notre pays au plan international concernant la protection, la promotion des droits reconnus aux femmes et la disparition des discriminations à leur endroit. Des problématiques qui renvoient aux préoccupations de toute la communauté internationale et qui ont présidé à l'adoption des objectifs stratégiques de Beijing et ceux du millénaire pour le développement des OMD. Le Togo, depuis 2005, a entamé un tournant décisif de son développement. En effet, le programme de refondation de l'État, qui se retrouve au centre de la vision que le chef de l'État nourrit et entend réaliser pour son pays, a permis de jeter de nouvelles bases de développement économique qui accordent une place prépondérante à la femme. Nous avons compris très tôt qu'aucune politique de développement ne pourrait réussir sans la participation effective et l'adhésion des femmes aux grands axes stratégiques de sa mise en œuvre. Traduisant ainsi cette vision du chef de l'État, Madame la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme, de la protection de l'enfant et des personnes âgées, a été instruite de tout mettre en œuvre afin de valoriser le potentiel de la femme dans la famille et dans la communauté. Des échanges et partages sur les différents sous-thèmes inscrits à l'ordre du jour permettront de définir des stratégies en vue de réduire les disparités liées au genre et les discriminations, assurer aux femmes une meilleure jouissance de leurs droits économiques et sociaux, établir un véritable partenariat hommes et femmes, créer des conditions d'une participation équitable des femmes et des hommes dans les sphères décisionnelles.
À l'issue des travaux, il sera mis sur pied un comité de suivi des recommandations qui seront formulées par le Forum.